Donc, question. On ជំនួយរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាជាបន្តទៅនេះអង្គជំរាបសួរសំណាកាស្ដាប់ការបង្ហាញពីគម្រោងនៃការទាមទារសំណងក្នុងក្រុមហ៊ុន 002/002ដោយបានជូនដំណឹងដល់ភាគីតាមរយៈអនុសរណៈ Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui les projets de réparation qui sont en cours d'élaboration dans le dossier 2. Et nous allons vous présenter 9 projets qui ont été priorisés, 8 d'entre eux étant déjà prêts pour être mis en œuvre dans le cadre de ce dossier. Avant de présenter les projets un par un, je souhaitais faire un rappel procédural pour rappeler aux accusés et aux personnes dans la salle et au public le cadre dans lequel ces projets de réparation sont mises en œuvre. Et puis, je commencerai par présenter un certain nombre de projets et mon confrère présentera la suite des projets. Je voudrais simplement faire un rappel pour que Kyo Sampan et Nunchia comprennent aussi ce que nous sommes en train de faire sur la question des réparations. Nous intervenons dans le cadre de la règle 23 du règlement intérieur qui indique que si l'un au moins des accusés est reconnu coupable dans ce procès, des réparations morales et collectives pourront être allouées aux parties civiles. Ces réparations pourraient être mises à la charge des accusés ou, et c'est dans ce cadre que nous développons ces projets, la Chambre pourrait décider de reconnaître qu'un projet spécifique constitue une réponse appropriée à une demande de réparation. Ce cadre procédural spécifique au CETC a deux conséquences qu'il est important, je pense, pour les accusés et leurs conseils de comprendre. La première, c'est que compte tenu de l'état d'indigence des accusés, il ne leur sera pas demandé d'assumer le coût financier des projets. La mise en œuvre des projets est financièrement neutre pour les accusés. Les projets sont développés avec des organisations non gouvernementales ou le gouvernement et financés par des bailleurs de fonds extérieurs. Il n'est pas demandé aux accusés de contribuer au financement des projets compte tenu de leur état d'indigence. La deuxième chose qu'il est important de comprendre, c'est que les projets de réparation qui vous sont proposés aujourd'hui ne deviendront des réparations judiciaires qu'à la condition que l'un au moins des accusés soit reconnu coupable pour au moins l'un des crimes pour lesquels il est renvoyé devant cette chambre. Donc, pour être très clair, avant un verdict définitif de culpabilité, ces projets sont mis en œuvre comme des propositions et ils ne deviendront des réparations judiciaires qu'avec une décision définitive de culpabilité, si décision définitive de culpabilité il y a. La deuxième chose que je voudrais expliquer, c'est un peu ce qui différencie un projet de réparation d'un projet d'ONG classique sur les Khmers Rouges.
Et je souhaiterais expliquer ici la méthodologie que nous avons mis en place pour que ces projets de réparation soient véritablement des réparations judiciaires. Le processus d'identification des projets part du souhait des parties civiles. Et nous avons mené un large processus de consultation depuis la création de la section des co-avocats principaux. Les bénéficiaires des projets doivent être avant tout les parties civiles, même s'il y a des bénéficiaires secondaires au projet. Le contenu des projets qui sont développés doivent être en ligne avec ce qui est dit dans cette salle d'audience et avec les crimes pour lesquels les accusés sont jugés dans le procès de 2. Les projets que nous développons sont en lien et en ligne avec les principes fondamentaux des Nations Unies en matière de réparation, qui sont des principes qui datent de 2005 et qui reconnaissent quelques grandes catégories de réparation. Je vous donne quelques exemples sur lesquels nous nous sommes appuyés pour élaborer les projets que nous vous présentons. Tout d'abord, les garanties de non-répétition. Quels projets pouvons-nous imaginer pour que les faits qui sont actuellement jugés ne se reproduisent pas? Et sont inclus dans ces projets les projets liés à l'éducation et au dialogue intergénérationnel. Vous avez aussi des projets de satisfaction qui comprennent l'accès aux archives, la dissémination du jugement auprès des victimes. Et vous avez enfin des projets de réhabilitation qui, dans notre cas, concernent des projets de soutien médical ou psychologique aux parties civiles. Donc, comme je le disais en introduction, ce qui est vraiment important et ce qui est au cœur de la définition des projets, c'est la consultation avec les parties civiles. C'est cette consultation qui a guidé l'identification et la priorisation des projets de réparation. Mais pour que cette consultation se fasse, eh bien, nous nous heurtons à des écueils pratiques et financiers. Et j'aimerais en dire un mot pour que la Chambre soit aussi consciente des difficultés qui sont les nôtres quand nous organisons ces consultations pour que les parties civiles, encore une fois, soient au cœur du processus d'identification et de priorisation. Il faut tout d'abord indiquer que l'administration du tribunal n'a pas de budget pour organiser des consultations avec les parties civiles. Vous avez vu que le nombre d'équipes d'avocats s'est réduit dans ce dossier, que les financements de ces équipes d'avocats s'est également réduit. Et vous savez que la section de soutien aux victimes a un budget propre, que cette section développe ses propres programmes et que ceux-ci ne sont pas nécessairement en accord avec ce que fait la section des co-avocats principaux. Je dis cela pour que la Chambre comprenne qu'il est parfois difficile d'organiser ces consultations. Et je voudrais remercier ici le service civil pour la paix allemand, qui, très concrètement, nous a permis, à nous, en collaboration avec la section de soutien aux victimes, d'organiser 4 consultations dans des provinces reculées où il est parfois difficile d'aller rencontrer les parties civiles, précisément pour que les projets leur soient expliqués et que nous puissions discuter avec elles. Donc, pour être clair, nous sommes obligés de faire de la recherche de fonds pour que le processus de consultation se passe de manière la plus efficace possible. Grâce au service civil pour la paix allemand, nous avons pu organiser 4 consultations à Kampot, Mandolkiri, Banteimenjei et bientôt en juillet à Kompong, avec bien évidemment le soutien logistique et administratif de la section de soutien aux victimes. Les forums développés par la section de soutien aux victimes nous ont également permis d'expliquer, de discuter et de prioriser les projets de réparation avec les parties civiles, ce qui fait qu'en tout, nous avons pu organiser 10 forums
où nous avons pu discuter des projets que nous allons vous proposer aujourd'hui. Il est important également d'indiquer que nous avons invité les organisations gouvernementales, les organisations non gouvernementales avec lesquelles nous travaillons, à organiser elles-mêmes des consultations avec les parties civiles au début de la phase de mise en œuvre des projets pour que ces projets soient réellement en phase avec les réparations judiciaires que nous souhaitons solliciter auprès de la Chambre dans ce dossier. Alors, comment ce processus s'est passé? Nous avons d'un côté discuté avec les parties civiles et nous avons de l'autre discuter avec les organisations non gouvernementales et le gouvernement actuel et mon confrère Hank en dira un mot pour voir comment les souhaits des parties civiles pouvaient rencontrer des projets pratiques mis en œuvre par les ONG ou par le gouvernement. Nous avons aujourd'hui sélectionné 9 projets. 8 d'entre eux sont prêts à être mis en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un financement suffisant pour que leur mise en œuvre démarre au moment où nous parlons. Nous avons pris en compte un certain nombre de critères que nous expliquons dans le rapport écrit que nous ferons à la Chambre, le lien avec le dossier de deux et les crimes pour lesquels les accusés sont renvoyés devant votre tribunal, les bénéfices accordés au groupe consolidé des parties civiles, les bénéfices accordés au groupe spécifique des parties civiles, les Cham, les Vietnamiens de souche, les minorités, les victimes de mariage forcé et les bouddhistes. Nous avons pris en compte la question de la faisabilité des projets, l'existence ou non d'un budget et bien sûr la présence de fonds suffisants pour démarrer la mise en œuvre des projets, et puis une complémentarité générale entre projets pour que nous puissions vous proposer un ensemble cohérent de projets et éviter les redondances entre les différents projets. Nous avons donc aujourd'hui 9 projets. Il pourra y en avoir d'autres. Nous avons souhaité présenter les projets qui aujourd'hui sont en mesure de démarrer pour montrer aussi les progrès que nous avons effectué depuis le dernier rapport intérimaire qui date d'il y a de nombreux mois maintenant. Et donc, nous vous présentons des projets, tout d'abord sur ce que nous avons appelé les garanties de non-répétition, qui est un type de réparation consacrée par les textes internationaux, et notamment 3 projets en lien avec l'éducation et l'éducation et l'apprentissage de l'histoire de la période des Khmers rouges. Les 3 projets que nous développons le sont avec des ONG qui ont des contacts avec le ministère de l'Éducation afin que l'ensemble des projets puissent être mis en œuvre dans les lycées et les universités sur l'ensemble du territoire cambodgien. Nous vous présentons aujourd'hui également 3 projets sur les groupes spécifiques dont nous avons parlé, les Cham, les minorités et les victimes de mariage forcé. Un projet sur la réhabilitation qui traite notamment du soutien médical à certaines parties civiles qui sont pour beaucoup d'entre elles des personnes âgées. Et puis 3 projets que nous appelons des projets liés à la satisfaction, qui est aussi une catégorie de réparation judiciaire reconnue dans les textes internationaux et qui tourne autour de l'accès aux archives du tribunal et à la dissémination du jugement et des documents du tribunal. Je vais pour ma part présenter 4 projets et je laisserai la parole à mon confrère pour qu'il présente les 5 projets restants. Et je vais commencer par la catégorie de non-répétition et donc les projets qui concernent l'éducation et l'apprentissage de l'histoire des Khmers rouges. Nous avons souhaité que ces 3 projets soient complémentaires et donc il y a un premier projet qui est mis en œuvre par le centre audiovisuel Bopana et qui s'attache au développement de contenu éducatif et notamment à la création d'une application web
avec l'ensemble des matériaux, notamment contenus dans le dossier, mais j'en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, contenu éducatif pour le premier projet, formation des enseignants pour le deuxième projet, c'est un projet qui est soutenu par l'organisation du CDCAM. Et le troisième projet est un projet éducatif au sens plus large et artistique, qui est soutenu par l'organisation que nous connaissons sous le nom de Meta House. C'est une jeune organisation cambodgienne qui s'appelle Khmer Action Arts. Je vais commencer par le premier projet, donc le projet de notre partenaire, le Centre de ressources audiovisuelles Bopana. Le titre du projet, qui sonne toujours un petit peu bizarre en français, est « Application web d'apprentissage sur l'histoire des Khmers rouges ». Et le centre Bopana va développer une application web qui va explorer les thèmes principaux et les crimes qui sont l'objet du procès 2-2 et qui comprendra des modules d'enseignement, des films, notamment des films d'archives contemporains, des photographies, des articles, des histoires de parties civiles, des images du procès, des documents et des fichiers audio fondés aussi sur ce qui se discute actuellement dans le procès 2-2. Pour ce projet, nous avons organisé une consultation, comme je l'expliquais en tout début de mon intervention, et le 24 juin, le centre Bopana va venir discuter avec une centaine de parties civiles pour expliquer le projet et qu'il puisse y avoir une réelle appropriation du projet par les parties civiles. Le deuxième projet que je souhaitais présenter est le projet qui concerne la formation des formateurs, c'est-à-dire la formation des enseignants de collège et d'université. C'est un projet que nous développons avec le CDCAM. Et le CDCAM se propose d'organiser des formations sur l'ensemble du territoire cambodgien pour les professeurs d'école et pour les professeurs d'université sur l'histoire des Khmers rouges. Le troisième projet d'éducation est un projet communautaire qui est proposé par l'association que nous connaissons sous le nom de Meta House et qui a développé une pièce de théâtre communautaire qui a été écrite par de jeunes auteurs cambodgiens qui travaillent pour l'association Khmer Action Art. Et c'est une pièce de théâtre qui met en avant les actes de courage, de résistance ou de solidarité qui ont lieu pendant la période du Kampuchea démocratique. À l'issue de cette pièce de théâtre, qui sera jouée dans l'ensemble des écoles et lycées du territoire, il y aura des dialogues organisés entre les jeunes et les parties civiles. Il y aura également une exposition photo, des projections de films, un concours de dessin et une tournée multimédia. L'idée de ces projets est de promouvoir le dialogue intergénérationnel et que la génération qui a vécu sous le Kampuchea démocratique puisse discuter avec la jeune génération qui parfois n'est pas bien au courant de ce qui s'est passé pendant cette période. Donc ces trois projets sont censés être complémentaires et ces trois projets vont être mis en œuvre ou peuvent être mis en œuvre à l'heure où nous parlons et vont être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire du Cambodge. Pour finir, je voudrais présenter le premier projet qui concerne ce que nous appelons les groupes spécifiques, puisque le règlement intérieur nous fait aussi obligation de tenir compte des dommages subis par les groupes spécifiques. Et je vais présenter un projet qui concerne les Cham. Mon beau-frère présentera aussi ensuite un projet concernant les victimes du mariage forcé et les minorités ethniques. Le premier projet concernant les Cham est également présenté par l'association que nous connaissons sous le nom de Meta House et qui a organisé des ateliers entre de jeunes cinéastes Cham
et des parties civiles ou des victimes, des personnes qui ont vécu sous le régime du Kampuchea démocratique. Les jeunes cinéastes vont réaliser des films qui seront ensuite produits et finalisés sous la supervision de documentaristes et réalisateurs professionnels. Un site internet sera également développé et un DVD sera distribué. J'en ai donc terminé avec la présentation de ces quatre projets. Avant de laisser la parole à mon confrère, je souhaiterais remercier bien évidemment les ONG avec lesquelles nous travaillons, les bailleurs de fonds qui apportent leur soutien à ce mécanisme de réparation judiciaire. Sans ces personnes et ces organisations, il serait absolument impossible de vous présenter aujourd'hui des projets. Et encore une fois, sur la liste que nous vous présentons, 8 des projets sont actuellement suffisamment financés pour que leur mise en œuvre puisse démarrer. Donc, je pense en avoir terminé de ma présentation et je laisse parole à mon confrère qui présente les projets restants, étant précisé que nous vous proposons aujourd'hui 9 projets, mais qu'il est possible que d'autres projets viennent se greffer à cette liste dans le futur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. គម្រោងសំណងចំនួន5បន្ថែមទៀតបន្តពីសហការីរបស់ខ្ញុំអារីគីរ៉ូគម្រោងដំបូងគឺជាគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាផ្កាស្លាក្រោមអង្ការគម្រោងនេះនិយាយអំពីបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមជម្រាបថាដៃគូដែល អនុវត្តគម្រោងនេះគឺសាលាសិល្បៈខ្មែរដែលត្រូវសហការជាមួយអង្គការក្តីករណាអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO និងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បុប្ផាណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាគម្រោងនេះគឺមានសកម្មភាព ផលិតរបាំប្រពៃណីដោយប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគឺប្រវត្តិនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញីនិងករណីសិក្សារបស់អ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតផ្សេងទៀតដោយផ្ដោតជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាផលប៉ះពាល់ផ្នែក gender នៃការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម របាំនឹងត្រូវបានសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតរបាំនេះនឹងត្រូវអមដោយកិច្ចសន្ទនាបែបជាសហគមន៍ដែលកើតឡើងមុនដែលត្រូវរៀបចំឡើងមុននឹងពេលដែលមានរបាំឬក៏ក្រោយពេលសម្ដែង ការសម្ដែងរបាំនិងការសន្ទនារវាងជនរងគ្រោះនៃអំពើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងសាធារណជនឬយុវជនចំនួនក្រោយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហព័ន្ធដោយបង្ខំនេះ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរឿងរ៉ាវនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងត្រូវបានយល់ជ្រួតជ្រាបជាសាធារណៈគម្រោងនេះក៏នឹងប្រមូលសក្ខីកម្មជាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ផងដែរ
ដែលទទួលប្រយោជន៍អំពីគម្រោងនេះយើងរំពឹងថាគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនៃអំពើរំលោភផ្លូវភេទក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតកូនចៅរបស់ពួកគេព្រមទាំងសាធារណជនទូទៅគម្រោងបន្ទាប់គឺគម្រោងទី 6 ដែលមានឈ្មោះថាសម្លេងជនជាតិភាគតិចគម្រោងនេះគឺសំដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាត
រួមនឹងដាក់ម្ដងរដ្ឋវិញ្ញាចំនួន 3635នាក់នៅក្នុងភូមិ 81ចំនួន 81ក្នុងខេត្តចំនួន 3គម្រោងចុងក្រោយគឺជាគម្រោងដែលយើងបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំជាគម្រោងសំណង តាមរយៈការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអវតកគឺគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់អវតកដៃគូដែលអនុវត្តគម្រោងនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់និងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងនេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវិញ្ញាណនិងជនរងគ្រោះ ในระบบไมค์กระหอมโจทย์ปิดนัดสมนมเรื่องระบบตลาดกาได้แปะป้อนนองสมนมเรื่องได้บานประพฤตในจุบุหมกได้กัดล้างในจุบุหมกสลากใดไมค์กระหอมพร้อมแต่งเบียนโกได้สับสายเอกสารได้แปะป้อนนองดำบันดังรถวันนี้ดอลอยู่จนจำนวนไกล พร้อมแจ้งสาธารณชนตูเตอร์ผ่องได้บัดนี้คือจีจำนวนคือจีกำรงได้ยึงขยมบานประหารให้แจ้งกำรงได้ลูกใส่มาริกิโรบานประหารคือมีให้นางกำรงได้ขยมบานประหารมีจำนวนประมาณบุญกำรง ហើយក្រៅពីនោះមានគម្រោងបួនទៀតដែលយើងខ្ញុំបានស្នើជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំជាគម្រោងសំណងផងដែរគឺជាគម្រោងសាងសង់បូជនីយដ្ឋានឬសារមន្ទីរចងចាំដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបផ្លូវក្រហមដែលយើងចង់ស្នើសុំឲ្យមានការសាងសង់សារមន្ទីរឬក៏បូជនីយដ្ឋាននេះនៅក្នុងបរិវេណវត្តពោធិវង្សឬវត្តថ្មី តាមមានទីតាំងនៅភូមិតពាំងសេះឃុំគោកចកស្រុកសៀមរាបទីរួមខេត្តសៀមរាបហើយគម្រោងមួយទៀតដែលយើងស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរគឺពិធីបុណ្យជាសាធារណៈដែលយើងមានគោលបំណងស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានពិធីបុណ្យមិនប្រកាន់សាសនាមួយសម្រាប់រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយ យើងស្នើថាពិធីបុណ្យនេះអាចប្រារព្ធនៅទីកន្លែងណាសំខាន់ណាមួយក្នុងប្រជានាចក្រកម្ពុជាឬនៅតាមរមណីយដ្ឋានឬក៏តំបន់ទេសចរសំខាន់ៗដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើមហើយដែលនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណអ្នកសាសនិកនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ គម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងស្តីពីការអភិរក្សទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានគោលដៅនៅក្នុងការដាក់ផ្ទាំងបដាបង្ហាញព័ត៌មានរឿងរ៉ាវនៃទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរគម្រោងចុងក្រោយដែលយើងស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរគឺការដាក់ឈ្មោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈណាមួយដូចជា ផ្លូវស្ពានឬក៏សួនច្បារសាធារណៈមានដោយដាក់ឈ្មោះថាជាផ្លូវឬក៏ស្ពាននៃការចងចាំបាទចុងក្រោយបួននេះគឺជាគម្រោងដែលយើងស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងកំពុងរងចាំចម្លើយពីរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះហើយយើងដូចលោកស្រីមេធាវីម៉ារីគីរ៉ូបានជម្រាបអញ្ចឹងនឹងអាច បន្ថែមគម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្នុងករណីដែលយើងមានព័ត៌មានឬក៏មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់លើកនាពេលនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណមេធាវីនាមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីសំណាកការទៅរៀបរៀងនេះដល់ទីបញ្ចប់ ដល់ទីដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គមេផ្កាផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មនការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដើមសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មនការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គជម្រះនឹង
ធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាកសីកម្មគីអ៊ីវដូចសូមភីគីជ្រាបមកជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយប្រកបអនុរៈទីគុំខាំង អត់មានការបកប្រែភាសា Sao bà răng nữa. Và sao chúng ta mong tiết đây sẵn là ca được ngày này đó vì dùm rãi ông bị bắt gặp ạ kênh mà ca sẵn là ca dùm rãi thông này tâm lý sẵn là ca được từ một tổ thư nơi tháng ngày chăn thì mà phê khai bị tổn ai cho nam bị bọn đọc bẩm mũi đang sắp đặt rõ để nó chạp đang bị màu bẩm môn bực ហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់សិក្ខាកម្មសិក្ខាកម្មគិរិយាដូចសូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីគុំខាំងនាំខ្លួនជួយចុះចោតតាំងពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំខាំងនៃបវរតកោបញ្ចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ទាំងពីរូបត្រឡប់ចូលរួមសម្រាប់ការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍